Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTLCLFM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Avec 16 homicides et 44 tentatives de meurtre depuis le début de l'année, la Martinique est actuellement le deuxième département le plus criminogène de France, juste après la Guyane. Le gouvernement lance un second plan quinquennal pour le logement d'abord, avec une enveloppe doublée à 500 millions d'euros. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Les monuments aux morts profanés, suite et fin ». Un manque de repos met à mal le système immunitaire. Par ailleurs, un bon sommeil renforce l'efficacité des vaccins. Aujourd'hui, l'air est de bonne qualité, il en sera de même demain. Vous le savez sans doute, nous sommes actuellement en alerte jaune. Cela signifie qu'il faut prendre des précautions. Le prochain stade peut être éventuellement l'alerte rouge. À ce moment-là, toutes les activités sont arrêtées et les populations sont invitées à se mettre à l'abri. Ensuite, c'est l'alerte violet, interdiction de circuler et confinement. Avec 16 homicides et 44 tentatives de meurtre depuis le début de l'année, la Martinique est actuellement le deuxième département le plus criminogène de France, juste après la Guyane. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a donnée hier à la préfecture en compagnie des responsables de la police, de la gendarmerie et de la douane, le préfet de région a souligné que 25% des 16 homicides recensés en Martinique depuis le début de l'année ont été commis dans le cercle familial. Il déplore que le taux de récidive soit de 90%. C'est énorme. Le préfet a fait remarquer que la Martinique est le deuxième département criminogène de toute la France avec un taux d'homicide de 5,96 pour 100 000 habitants. À l'occasion de la 33e édition de la journée caribéenne de cardiologie qui s'est déroulée samedi dernier, il a notamment été question que le CHU de Martinique se donne très prochainement les moyens de pouvoir réaliser sur place des transplantations cardiaques et même l'implantation de cœurs artificiels. Il a également été question des progrès réalisés dans notre pays en matière de cardiologie pédiatrique. L'association Alternative Espoir, l'éducation nationale, l'équipe mobile de sécurité du rectorat et le conseil départemental d'accès au droit du tribunal de Fort-de-France sont partenaires du CCAS du François dans la campagne qu'ils mènent contre les addictions. Prévenir les comportements à risque chez les enfants, tel était l'objectif de la matinée de restitution de la campagne de sensibilisation menée par le CCAS dans les écoles du France-Roi. 200 jeunes des écoles de Morne-Pitot A et B, Emmanuel Bruno, Dumaine, Chopotte, Manzo et Anne-Marc ont participé à l'événement vendredi 16 juin à l'espace Mongin, quartier Presqu'île. Les élèves ont présenté des slogans, des scénettes, des dessins et des affiches évoquant les problèmes liés aux addictions. Préparées avec leurs enseignants, ces réalisations ont permis de sensibiliser ces élèves du CM2 aux dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux et la consommation d'alcool, de tabac ou de drogue. Les classes ont rivalisé d'inventivité en présentant des textes, des créations graphiques, des costumes ou encore des maquillages pour rendre les scènes plus réalistes. Une façon pour ces jeunes de coopérer avec les institutions. Cette implication des élèves leur permet de prendre conscience de ce qu'est un comportement citoyen et des risques liés aux addictions. Comme l'a souligné Henri Paquet, adjoint au maire chargé des affaires sociales, nous avons atteint l'objectif, montrer que nos jeunes doivent faire face aux situations à risque qu'ils rencontrent entre leur domicile et les bancs de l'école. À la fin de la manifestation, les élèves ont eu droit à une collation
et à un diplôme attestant de leur participation à cette action. Les organisateurs souhaitent que l'opération soit mise en place l'année prochaine dans d'autres écoles primaires du François et dans les collèges. Le débat sur les réparations auxquelles peuvent prétendre les descendants des esclaves occupe une place importante dans l'agenda politique aux États-Unis. Une mission mise en place en 2020 par le gouverneur de Californie a estimé que les descendants des esclaves vivant dans cet État devraient recevoir $1,200,000 par personne au titre de réparations. C'est en tout cas une des solutions proposées pour venir à bout du racisme et des préjugés qui sapent les bases des institutions démocratiques et économiques. Il est vrai que malgré les avancées, la fracture raciale persiste aux États-Unis. Les Noirs sont en effet moins instruits en moyenne que les Blancs. Ils sont moins souvent propriétaires de leurs maisons et leurs perspectives d'avenir sont plus étroites. Par contre, leur taux de pauvreté, d'incarcération, de chômage et le risque qu'ils encourent de souffrir d'une maladie mortelle sont nettement plus élevés. Et les inégalités de salaire ne peuvent qu'augmenter le fossé entre ces deux catégories de la population. Or, il est vrai que les esclaves ont travaillé gratuitement pendant plus de 250 ans aux USA, ce qui représente 20 000 milliards de dollars économisés pour les propriétaires d'esclaves. Pourtant, à l'abolition et contre toute logique, les États-Unis, comme le Royaume-Uni et la France, ont trouvé normal d'indemniser les colons pour la perte de leur main-d'œuvre gratuite. Et que dire de la scandaleuse dette d'indépendance qu'a dû verser Haïti en guise de compensation à la France pour avoir été exploitée par elle durant 107 ans. Aujourd'hui, aux États-Unis, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour expliquer que les USA, qui se posent en modèle démocratique pour le monde entier, pourraient donner l'exemple en la matière. Et beaucoup n'hésitent pas à établir un parallèle avec l'Allemagne qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a versé 7 milliards de dollars à Israël et 1 milliard au Congrès juif mondial, tout en œuvrant pour honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste. À l'annonce de la tempête tropicale Brett, les Martiniquaises et les Martiniquais se sont rendus nombreux dans les supermarchés, notamment pour acheter de l'eau.
L'EHPAD, le temps de vivre qui se trouve au Carbet, pratique la musicothérapie, c'est-à-dire la stimulation des sens par la musique, notamment chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il serait intéressant qu'intervienne une évaluation des résultats pour que cette pratique puisse être éventuellement étendue aux autres établissements du même genre. Le gouvernement a reçu lundi 12 juin dernier les 8 syndicats de fonctionnaires pour leur présenter une série de mesures censées amortir le choc de l'inflation. Lutter encore et toujours contre les effets de l'inflation. Alors que le niveau des prix reste assez élevé, les syndicats de fonctionnaires étaient mobilisés et soudés depuis plusieurs mois pour demander une augmentation salariale. Des efforts qui ont porté leurs fruits pour les 5 700 000 salariés de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Après avoir reçu les organisations ce lundi 12 juin, le gouvernement a annoncé une augmentation de 1,5% du point d'indice des fonctionnaires qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Premier syndicat de la fonction publique, la CGT, qui réclamait une augmentation de 10%, a dénoncé une mesure largement insuffisante, estimant la perte de pouvoir d'achat à 16% depuis 2010. Tous les agents se verront par ailleurs attribuer 5 points correspondant à une aide forfaitaire de 25 € supplémentaires par mois. Une partie des fonctionnaires, ceux dont la rémunération mensuelle brute va jusqu'à 3 250 €, va également obtenir, avant la fin de l'année 2023, une prime dégressive de pouvoir d'achat allant de 800 à 300 €. Cette mesure concerne 50% des agents de l'État et 70% des agents publics hospitaliers. Les agents publics ont aussi obtenu la reconduction pour 2023 de la garantie individuelle de pouvoir d'achat, une revalorisation des frais de mission et une meilleure prise en charge des abonnements aux transports collectifs, notamment. Le gouvernement a annoncé officiellement que l'on pourra désormais passer son permis de conduire à 17 ans au lieu de 18. Cela signifie que l'on pourra conduire seul dès cet âge-là, 17 ans donc. Rappelons qu'aujourd'hui, mercredi 21 juin, c'est la journée de la musique, une journée mise en place en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand. Dans la loi de programmation militaire 2024-2030, une enveloppe de 429 millions d'euros est prévue pour économiser et mieux gérer l'eau dans les emprises militaires. L'objectif principal, mieux mesurer la consommation du ministère qui espère ainsi identifier les endroits où il serait possible de poser des capteurs et des compteurs. Chaque année, le ministère consomme 5 200 000 mètres cubes d'eau pour une facture de 22 millions d'euros. L'ambition est de réduire de 10% la consommation d'eau d'ici 2030. Rappelons que les camps et les bases militaires en France partagent les mêmes réseaux que les infrastructures civiles. Les travaux qui seront menés bénéficieront à tous. Des opérations de dépollution permettront par exemple d'assainir de nombreux terrains pour restaurer les milieux naturels. Le plan eau s'inscrit également dans la stratégie énergétique et de préservation de la biodiversité du ministère. Les militaires disposent de vastes camps militaires qu'il faut entretenir. Les armées veulent aussi montrer l'exemple à l'heure où la société est de plus en plus sensible aux questions environnementales. Serge Letchimy et Didier Laguerre n'ont pas été entendus. L'escadron de 80 gendarmes mobiles qui a été envoyé dans notre île pendant 5 mois et dont le travail a été remarquable ne reviendra pas. C'est ce qu'a annoncé le préfet de région au cours d'une conférence de presse hier, mardi 20 juin. Il a cependant affirmé que les forces de police et de gendarmerie implantées dans l'île feront en sorte d'être davantage sur le terrain. Le gouvernement lance un second plan quinquennal pour le logement d'abord avec une enveloppe doublée à 500 millions d'euros. L'objectif, attribuer directement un logement pérenne aux personnes mal logées. C'est ce qu'a annoncé lundi 19 juin le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein.
Ce second plan quinquennal pour le logement d'abord s'élèvera à 1,5 milliard d'euros, soit le double des 250 millions accordés entre 2017 et 2022. Il s'agira ainsi de financer, en plus de ce qui a déjà été fait, 100 000 logements très sociaux en 5 ans, 10 000 places en pension de famille et 30 000 places en intermédiation locative. Le ministre espère sortir plus de 800 000 personnes de la rue en 10 ans. Rappelons que le plan précédent a déjà permis à 440 000 personnes de quitter la rue pour accéder à un logement. Le plan logement d'abord vise, lui, à favoriser le passage direct de la rue au logement durable. Dans un rapport paru en janvier 2021, la Cour des comptes avait estimé que si les premiers résultats du plan montraient certes une dynamique favorable avec une augmentation des accès au logement, il restait néanmoins en deçà des attentes et des objectifs chiffrés. À 11h30, hier, mardi 20 juin, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, s'est rendu sur le chantier de la route de la Sarde à Capesterre-Belleau en compagnie du maire de la ville et de représentants du gouvernement, des producteurs de bananes et de la Chambre d'agriculture. La route de la Sarde est une route communale dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par la collectivité régionale. Elle revêt une importance capitale pour les agriculteurs de cette zone. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique ? Sondage. Sondage. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique ? Oui, je pense oui. Pourquoi ? Oui, parce que bon... On fait l'élevage de tout, on fait de poissons, on fait l'élevage de toutes sortes d'élevages. Alors je pense qu'il faut le faire. Oui, je pense que ce serait un produit qui intéresserait beaucoup les Martiniquais. Donc c'est un produit local, enfin local de chez nous, quoi. Ce serait pas mal qu'on fasse, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup de demandes, parce que bon, en général les Martiniquais aiment bien ça. Donc, mais c'est dommage que c'est un peu cher. Et puis, pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, je ne pense pas. Il suffit de respecter les saisons. Parce qu'il y a une saison pour les oursins. Donc, si on respecte les choses aux dates précises, je pense que ça va donner le temps aux oursins de proliférer, de pouvoir se reproduire. Donc, on peut bien faire ça ici, hein? Mais oui, pourquoi pas? Je serais tout à fait d'accord qu'on fasse un élevage d'oursins en Martinique, d'autant que c'est une denrée qui est très rare, qu'on ne trouve pas ça partout dans tous les pays, et en fait c'est tellement bon aussi, donc je serais tout à fait d'accord. Non, parce que oursin normalement, si on l'a mis à vue, normalement c'est naturel. L'élevage, le rabais d'autres pays, et d'autres pays. Et c'est là qu'il a produit quoi normalement. Pensez-vous qu'il faut sérieusement faire de l'élevage d'oursins en Martinique? Oui, ce serait bien. Sincèrement, je crois bien que pour une meilleure plus grande production, pour ne pas avoir tous ces problèmes de décalage que je parlais, c'est les sous-saints venus à temps. Voilà, alors pour ça, oui, l'élevage, c'est un pied ciblé pour pouvoir avoir les sous-saints de bonne qualité et à la période qu'il faut. Oui, je pense que ça peut être une solution justement pour pouvoir limiter les abus et aussi permettre d'en faire peut-être plus. Ah oui, tout à fait, puisqu'on fait bien l'élevage des huîtres, des palourdes. Donc ce serait bien surtout pour préserver la ressource. Et puis comme les Martiniquais, ils aiment bien les oursins, comme ça... Ça allait pouvoir, enfin, du point de vue économique, c'est quand même très très bon pour le pays. Voilà. Eh ben, ça serait une très bonne idée parce qu'il y a énormément de gens qui aiment beaucoup ce fruit de mer. Donc, oui, si on peut faire de l'aquaculture pour les oursins, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on peut faire de l'élevage sérieux en Martinique sur les oursins, oui, il n'y a pas de problème, oui. Vous êtes tout à fait capable de faire ça, oui. Bonjour. Quel est ton avis sur la question? Il y aura trop de réglementation si on fait de l'élevage d'oursins. Parce que là, il y aura un conflit avec
ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas le droit avec ceux qui sont à terre. Alors, il est préférable de ne pas entamer ça. Ce serait un grave erreur. Sondage. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Les monuments aux morts profanés », deuxième partie. Nous avons tenté de vous expliquer hier que les soldats martiniquais qui sont morts pour la France, tant en 1914 qu'en 1939, ont donné leur vie autant pour la France que pour eux-mêmes, pour acquérir les droits dont les anciens esclaves avaient besoin pour être véritablement libres. C'est l'histoire de ce soldat qui, ayant regroupé ses prisonniers de guerre enchaînés, va rejoindre son unité. Mais voilà qu'il s'engage sur un lac gelé qui va s'effondrer. Les prisonniers lui hurlent qu'il ne faut surtout pas aller par là. Ce n'était pas pour préserver la vie de leur geôlier, c'était pour préserver les clés de leur chaîne que possédait ce dernier. Mais il est vrai qu'ils lui ont sauvé la vie. Eh bien, c'est la même chose pour nos ancêtres. En sauvant leurs colonisateurs, ils se sauvaient eux-mêmes. Ceux qui profanent les monuments aux morts pensent qu'ils s'en prennent au souvenir de gens qui ont pris les armes pour défendre le colonisateur, leur ennemi juré. Mais ils se trompent. Ce bout de chemin avec le colonisateur, redisons-le, était un pas obligatoire vers une liberté totale à travers une égalité juridique totale avec les anciens maîtres. Et il n'appartient à personne aujourd'hui, et surtout pas à nous, dans nos McDonald's, nos motos bruyantes, nos bureaux climatisés et nos RSA, de porter sur cette stratégie le moindre jugement négatif. D'abord, parce que ça a été, nous l'avons dit hier, une stratégie victorieuse. Ensuite, parce que nous ne pouvons pas ériger nos ancêtres en adversaires, en ennemis, et nous en prendre à eux. Nous ne pouvons pas à ce point pratiquer le nègre contre nègre. Oui, disons-le, redisons-le mille fois clairement. Nos ancêtres esclaves étaient une population de vaincus. Ils doivent bénéficier de notre compassion. Mais nos ancêtres qui leur ont succédé étaient eux des héros. Oui, Jean-Baptiste, né esclave, mais qui, devenu adulte et libre, travaillait 15-16 heures par jour sur la tâche que lui avait assignée le béquier de Rénal au Lorrain. 15 ou 16 heures par jour, plutôt que de se faire aider par son fils, comme le lui suggérait son employeur. Léon, disait-il inlassablement, a vocation à aller à l'école et à obtenir son certificat d'études, qui à l'époque était un diplôme extraordinaire. Et Léon l'a eu, son certificat d'études, et a son tour, fait le job. C'est-à-dire qu'il a produit des Martiniquais capables de regarder n'importe qui dans le monde à hauteur d'homme. Eh bien, Jean-Baptiste était un héros. Et ce sont des milliers de Jean-Baptiste qui ont peuplé la Martinique à ce moment-là de son histoire. Élise aussi, qui a porté sur sa tête des centaines de régimes de bananes pour que ses enfants ne mettent jamais les pieds dans une bananeraie autrement que pour s'amuser. Et elle aussi, elle a réussi. Elle aussi est une héroïne. Toutes les Élises de Martinique sont des héroïnes, même s'il a pu arriver que certaines d'entre elles ont accompagné leurs hommes jusqu'au bateau lorsqu'ils allaient défendre la France et lutter donc à côté du colonialisme. Mais elle et lui, tous les deux, ils savaient pourquoi. Dès lors, il convient d'inviter les profanateurs de monuments aux morts à éviter des jugements et des condamnations insuffisamment réfléchis. France Fanon a bien expliqué que c'est dans une relative opacité que chaque génération doit trouver sa mission, puissent ces Martiniquais-là dissiper vite cette opacité et trouver la leur de mission. Et même une mission qui pourrait cesser d'être la leur pour devenir la nôtre. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de dons d'ovocytes.
Le don d'ovocytes est une démarche intime, encore très souvent protégée par la présence d'un entourage immédiat d'un couple en difficulté pour concevoir. Pour sensibiliser davantage les femmes à faire un don, l'agence de biomédecine repart en campagne avec un nouveau site, plus interactif et qui met en avant l'accompagnement de proximité. Via un onglet répertoriant tous les centres d'assistance médicale à la procréation, des informations locales sont proposées aux femmes afin de les rassurer et les inciter à prendre le premier rendez-vous dans le centre le plus proche de chez elles. Les caractéristiques du centre, les étapes du don, les démarches à entreprendre, les personnes à contacter. Il est même possible de laisser ses coordonnées pour être contacté personnellement par une personne de ce centre. Bien entendu, le site rappelle les enjeux du don d'ovocytes pour les couples en difficulté et propose de consulter de nombreux témoignages de couples infertiles et de donneuses. Pour l'agence de la biomédecine, il est urgent de recruter de nouvelles donneuses. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan Adélaïde, Alvin Théria, Jean-Michel Césaire, Jeannie Georges, Marie-Fleur Rosa, François Augustin, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Marlène Édouard, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. En France, vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.